m'appelle Amélie Vergès, je suis propriétaire du château Castel-la-Rose sur la commune de Villeneuve, sur l'aire d'appellation Côte de Bourg, et nous exploitons 26 hectares de vignes. Nous travaillons en famille, moi j'ai repris l'exploitation qui existait déjà depuis les années 70, j'ai repris en 2015 et donc aujourd'hui nous sommes trois filles à la tête de l'exploitation. Le fait que notre vignoble soit dans une appellation d'origine contrôlée est un gage de qualité, bien évidemment pour le consommateur, puisque ça implique deux choses. Nos vins, tous les ans, passent un agrément pour constater si nos vins respectent les critères du cahier des charges. Nous allons au-delà du cahier des charges et de ce qui nous impose en nous imposant une norme environnementale, donc qui est la haute valeur environnementale niveau 3, ce qui nous permet d'être plus rigoureux dans la façon dont on aborde notre travail, dans la façon dont on préserve la nature. L'important pour nous viticulteurs, c'est de garantir l'équilibre dans les assemblages de nos vins et également que nos vins soient l'image de nos terroirs, donc préserver les différents types de terroirs. Ce qui me pousse à me lever le matin, c'est la volonté et la détermination à pérenniser le vignoble que mes grands-parents ont construit dans les années 70. Tous les jours, je vais au-delà de mes limites.